Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un ancien t-shirt qui vous avait beaucoup plu. Le voici, les t-shirts, c'est ma grande passion. Ah ben, les reptiles, les fourmis, les animaux en général. Et YouTube, c'est ce qui prend 80% de mon temps de libre depuis ces 4 dernières années. D'ailleurs, oh là, j'ai complètement oublié de vous le dire depuis le temps. Merci énormément, nous avons dépassé, explosé la barre des 200 000 abonnés. J'ai pas compris pourquoi vous avez autant d'intérêt à regarder mes vidéos. Alors, est-ce que c'est parce que le contenu est intéressant ou est-ce que c'est parce que vous aimez vous foutre de ma gueule? Ben, peut-être un peu des deux. Donc vraiment, non, plus sérieusement, je voulais vous remercier, c'est tout simplement énorme. Beaucoup d'entre vous le savent, pour les plus fidèles, les vrais savent, que j'avais lancé YouTube au tout départ, ben comme ça, et c'était pas pour devenir vidéaste, youtubeur, je ne sais quoi. C'était uniquement en fait parce que sur Internet, il y avait à l'époque, je parle à l'époque, maintenant il y a de la diversité, mais à l'époque, il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, il y avait très très peu d'informations sur Internet au niveau des animaux, des reptiles. Notamment, il y avait une chaîne YouTube à l'époque, il a complètement arrêté, il s'appelait Jordan, celui qui tenait cette chaîne YouTube. Je tiens à lui faire de gros bisous, à le remercier. Je ne sais pas s'il regarde toutes mes vidéos, je sais que de temps en temps, il en regardait quelques-unes. Je tenais vraiment à le remercier parce que c'est grâce à Jordan qui avait la chaîne reptile qui s'appelait Hobby Reptile ou Reptile Hobby. Et en fait, cette chaîne YouTube à l'époque, il montrait dans son appartement, il avait ses petits racks, ses petites installations, il montrait ses panthérophiles, ses choses comme ça, des gécolos ou pas, des trucs très simples. Et ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il montrait, on voyait la personne vraiment passionnée, qui montrait les espèces, comment il faisait chez lui, ses méthodes à lui d'élevage, comment il décongelait ses proies, comment il nourrissait ses serpents, comment... Et c'est vrai que YouTube, bah, du coup, j'ai ma chaîne YouTube, en fait, je me suis mis sur YouTube en regardant ses vidéos parce que je me suis dit, mais c'est génial. Et c'est plus de gens comme ça que j'aimerais voir sur YouTube, plus de gens qui essaient d'apporter leur petite pierre à l'édifice, qui essaient vraiment de faire quelque chose. Et je vous dis pas ça comme ça pour faire le mec gentil, le YouTuber, ouais, ouais, machin. Non, c'est vraiment, je suis sincère, c'est vraiment pour vous dire que c'est grâce à lui et à ce genre de personnes que je suis sur YouTube actuellement. YouTube, en fait, c'est trop bien. Je fais que parler, là, je suis plus du tout sur le sujet de la vidéo. C'est vraiment pour vous dire que ben, je me sens très proche de vous et je fais tout pour être au maximum proche de vous avec les questions du jour, à essayer de communiquer avec vous. Si vous regardez, je réponds régulièrement aux commentaires des vidéos. Pas tous les commentaires, je peux pas. Je les lis tous, je réponds à beaucoup d'entre vous. Et vraiment, ça fait plaisir tout ce qui m'arrive en ce moment. C'est grâce à vous que j'avance et tout sur YouTube. Comme je vous l'avais dit aussi, je ne suis pas du tout professionnel, je ne vis pas du tout de YouTube. Voilà, j'avance avec YouTube et derrière, j'ai quand même un boulot qui me permet de vivre à côté. C'était vraiment un gros remerciement par rapport aux 200 000 abonnés. Et maintenant, on peut passer à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du scorpion empereur. Première vidéo de la chaîne YouTube où on va parler scorpion. Pandinus Imperator. Attention, je le dis directement, tous les scorpions en France et les mygales aussi sont totalement interdits sans le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'établissement. En gros, il vous faut des autorisations. Si vous ne passez pas ces autorisations-là, si ces autorisations ne sont pas validées, que vous n'avez pas les papiers nécessaires, scorpion, mygale interdit en France, cherchez même pas à comprendre. Et en plus de ça, cette espèce-là que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un scorpion qui est en plus protégé, donc interdit en France et protégé. Vous l'avez chez vous, vous risquez gros les gars et les filles. Donc faites très attention à ça. Je fais pas des vidéos pour vous inciter à acheter quoi que ce soit. Je fais des vidéos pour vous présenter des espèces, pour vous montrer moi comment j'élève mes animaux, vous présenter tout ça derrière, tout ce que je fais, comment je fabrique des terrariums. Il y a 480 vidéos sur la chaîne YouTube où je donne toutes mes connaissances, tout mon savoir, tous mes trucs, mais je ne vous inciterai pas à acheter un animal. Donc, petit message de prévention en début de vidéo, que tout soit clair. Maintenant, on peut commencer. Alors, c'est un scorpion qu'on retrouve au Libéria, Guinée, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria et surtout dans tous ces endroits-là, il se trouve dans les forêts tropicales humides. C'est-à-dire qu'on ne va pas le retrouver dans un endroit désertique, enfin pas du moins ce scorpion-là. Après, vous pouvez trouver d'autres scorpions dans les régions comme ça, j'en doute pas. Mais celui-là, le Pandinus Imperator, se trouve vraiment dans les endroits, dans les forêts
vraiment humide. Il aime beaucoup l'humidité, sous les petits tas de feuilles, dans les petites pierres, tout ça, les mouches humides, les choses comme ça, on les trouve dans ces endroits-là. C'est un scorpion qui est très grand, probablement l'un des plus grands scorpions du monde. En tout cas, il fait partie des scorpions les plus grands du monde. Je ne sais pas si c'est lui le plus grand, mais il en fait partie. Parce que comprise, parce qu'un scorpion, quand on le mesure donc de la tête à la queue. La queue, même si elle est comme ça, si on la déroule, queue comprise, c'est un scorpion qui fait jusqu'à 20 cm. 20 cm à peu près à l'échelle de Toto Snake. Attention, faites pas gaffe parce que Toto Snake, il est petit, il a une grosse tête et des grosses mains. Toto Snake, c'est un mongoï. Donc, prenez pas attention à Tonton, mais en gros, c'est peut-être quelque chose comme ça. Donc, ça devient vraiment du scorpion très balèze. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre de scorpion, enfin, moi, ce que j'adore, c'est du genre Iron Man, le truc. C'est du genre Transformers, Terminator. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est blindé, ce scorpion. Vous allez me dire, tous les scorpions sont comme ça, mais lui, il a tout le genre Pandinus, comme ça. Ce sont des scorpions qui sont pour la plupart du temps noirs, mais ils ont surtout des pinces de devant très, très développées. Donc, ça lui fait carrément une barrière devant lui, une grosse protection. Et ensuite, avec le dard, il peut directement piquer au-devant de ses pinces qui lui servent de protection. Je trouve ça totalement énorme. Après, comme beaucoup de scorpions, il se sert pas vraiment beaucoup de son dard, à part peut-être pour attaquer certaines proies, pour se défendre et se nourrir. La plupart de ces scorpions attaquent surtout avec les pinces, d'après ce que j'ai compris. Après, je peux pas m'avancer aussi dans les informations parce que ce sont pas des espèces que je possède à l'élevage, donc je ne suis pas capable actuellement de vous donner le maximum d'informations nécessaires. Et en France, les gens qui possèdent des scorpions sont des gens qui sont très rares. Ou sinon, il y en a plein qui en possèdent, mais totalement illégalement. Je crois qu'eux, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais du coup, je ne les connais pas. Donc, et même, je pourrais pas faire une vidéo chez quelqu'un qui a un scorpion et qui n'a pas le droit de l'avoir. Ça la fout mal, quoi. Alors, ce sont des scorpions qui sont très gros, mais qui sont principalement insectivores. Ils vont manger donc des grillons, des sauterelles, des criquets, des choses comme ça, pourquoi pas des mouches, des mantes religieuses. Ils peuvent s'attaquer à des insectes un peu plus gros comme ça. Comme d'habitude, j'ai vu quelques vidéos sur internet où ils leur donnent des souris, des choses comme ça. Alors, déjà, un truc que je supporte pas, c'est de voir sur YouTube des gens qui donnent à des varans, à des scorpions, à des araignées, des animaux qui sont. Enfin, des souris, des rats vivants, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal ne meurt même pas de suite. Et du coup, surtout chez les mygales, les scorpions et chez les varans, une souris ne meurt pas de suite. Elle souffre atrocement avant de succomber à ses douleurs et au venin et à tout ce qui s'ensuit. Donc, franchement, ces vidéos-là sont horribles. Vraiment, c'est de la souffrance animale inutile pour faire des vues. Donc, vous amusez pas à ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai vu pas mal de vidéos, j'aurais pu vous montrer quelques passages, mais je suis totalement contre de montrer des choses comme ça qui sont horribles sur ma chaîne YouTube. La piqûre du Pandinus Imperator est une piqûre douloureuse, mais très rarement mortelle. Comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, à partir du moment qu'il y a du venin, vous pouvez faire une réaction allergique, et donc, on ne sait pas trop comment le corps peut réagir, et vous pouvez mourir. Alors, petite question du jour, j'aimerais savoir si vous êtes plus mygale ou scorpion. Attention, les deux sont des arachnides. Le scorpion est, entre guillemets, une araignée. Mais est-ce que vous êtes plutôt du style mygale, comme araignée, ou plutôt du style scorpion? Alors, mettez-moi ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Il y en a beaucoup qui risquent de marquer ni l'un ni l'autre. Et après, je pense que les avis devraient être très, vraiment. Très, très diverses. Moi, j'adore beaucoup les mygales, j'adore beaucoup les scorpions. Ça dépend un peu des espèces. Si je devais avoir un des deux, si je devais passer les autorisations et choisir entre mygales et scorpions et que j'ai pas le choix, personnellement, je pense que je prendrais. Putain, je me tâte quand même. Je pense que je prendrais quand même scorpion. Ça passe mieux avec ma famille et mon entourage. Voilà. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes plus mygale ou scorpion. Je suis curieux de voir ça. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, la vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que vraiment diversifier un peu comme ça les vidéos et présenter des nouvelles espèces, des choses comme ça que j'ai pas l'habitude de présenter d'habitude sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de taper un peu dans la diversité. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Un petit commentaire, voilà, mettez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao, ciao!